intéressante et sympa. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Angel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo découverte d'un jeu qui s'appelle Cooking Mama Mama Kills Animals. Donc c'est un jeu qui a été créé par une association de surveillance des animaux qui s'appelle la PETA. C'est pour le bon traitement des animaux, etc. Donc c'est un rapport avec des animaux. Oh là là. Donc en gros, Cooking Mama, c'est un jeu qui est sorti en 2006, un an après la sortie de la DS en Europe, parce qu'en États-Unis c'est sorti en 2004. Eh ouais, on s'est bien fait couiller. Donc en gros, c'est l'histoire de Mama, une madame qui en fait ne devrait pas exister dans ce monde vu ses yeux qui font très très peur. Donc c'est Mama qui est une madame qui fait de la cuisine, qui fait plein de recettes de plein de pays différents, en plus japonais, mais bon, des fois ça dépend des Cooking Mama. Alors il est sorti en 2005 et je peux vous raconter une petite anecdote. Normalement Cooking Mama, personne ne parie un copec dessus. En tout cas en France, je m'en souviens, au moment de sa sortie, il est sorti chez les marchands de journaux au prix de 20 €. Et quand ils ont vu que ça marchait génial et que c'était magnifique et que le jeu était super, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter au marchand de journaux, mais après quand ils ont vu que c'était génial, eh ben ils l'ont mis aux grandes surfaces et ils ont augmenté les prix. C'est magnifique. Donc après, à partir de ça, il y a eu une flopée de jeux Cooking Mama qui sont sortis. Cooking Mama 1, 2, 3, 4, avec ses amis, dans un jardin, et cuisine son chien. Comment cuisiner ta grand-mère en deux leçons. Donc en gros, non, les deux derniers jeux n'existent pas. je précise. Et sinon, ça serait complètement stupide. Quoique, comment cuisiner sa grand-mère en deux leçons, ça doit être intéressant. Donc, on va commencer tout de suite par Let's Cook, Cooking. Donc, c'est l'histoire de Mama qui veut cuisiner un repas pour Thanksgiving. En plus, c'est la période de Thanksgiving, hein, voilà. Et donc, elle cuisine une dinde de Thanksgiving. Et donc, on va start. La dinde a l'air complètement... Enfin, non, moi je mange pas une dinde comme ça. Moi je vois ça, je me dis au secours, je vais vomir toutes mes tripes et je vais mourir. Enfin bon, start. Alors, pluck the turkey. Alors, en fait, on va devoir. Voilà. Je vais pas vous expliquer, vous allez voir ce que c'est. C'est dégueulasse, la première partie dégueulasse, d'après ce que j'ai compris. Oh putain, on va devoir enlever ces petites plumes. Oh, le voit les plumes. Bonjour, au revoir. Je t'enlève les plumes. Il y a du sang qui coule. C'est dégueulasse quoi. Comme si on faisait... Non, je vous rassure, on fait pas ça dans le vrai jeu. Si on faisait ça dans le vrai jeu... Too nice, merci. Avec son couteau de boucher. Si on faisait ça dans le vrai jeu, je pense qu'il y aurait plein d'associations contre la violence. Qui tape sur GTA en ce moment, qui tape sur ce jeu, mais bon, il tape pas que sur GTA, hein, faut pas déconner. Alors, ok, donc on doit enlever les organes, c'est magnifique ça. Bonjour, je mets ta main dans ton organe et je t'enlève des choses. Je vais le mettre dans le petit récipient. Voilà, tu n'as plus de... C'est dégueulasse quoi. Oh, mais en plus les bouées là, c'est... Y'a plus rien. Y'a plus rien dedans, bon bah y'a plus rien. Too nice, merci, c'est trop sympa. On continue. Complete. Oh mon dieu, quel beau repas. C'est un repas magnifique. Next. Ah non, c'est pas fini. Non, si. Ah bon, là c'est What Mama Never Told You. Donc c'est une petite comment on appelle ça. Une morale, voilà. Une petite morale pour vous dire. Alors Mama, elle vous dit en gros que dans les États-Unis il y a des oiseaux. Voilà. Non, je déconne. Dis pas que ça. Je vous laisse lire, hein, en fait, pas, j'ai pas envie de lire. Donc. Oh putain, non, je regarde pas le bonus. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de déduler. D'accord, donc en fait. Ah d'accord, c'est pas fini. Hein, y a trois parties d'après ce que je vois. Là, regardez la petite partie transparente. Comme un ninja. Donc, stuff the. Oh putain, c'est. Oh, c'est la garniture. Enfin, c'est le truc qu'il y a dedans là.
C'est dégueulasse. J'ai envie de gerber, hein, littéralement. Ok, donc on doit défoncer des œufs. Hein. Bon, vas-y, vas-y, on va prendre des œufs. Alors ça, normalement, c'est dans le jeu. C'est possible de faire ça dans le jeu. Normalement, on fait ça. Mais avec une souris, c'est... Ah! Putain, mais... Non! Il y a du sang qui sort des œufs? Qu'est-ce que t'as mis dans tes œufs, en fait? Genre, je sais pas. Donc, ok, d'accord. Bah, elle a l'air pas très très contente, là. Je suis pas cassé assez d'œufs avec du sang. Le jour où je vois du sang dans mes œufs, je pense que je... Je me dis, je ne mange pas ça, mais... Enfin, elle, elle le mange, elle fait comme elle veut. Par contre, je sais pas, mais on dirait qu'elle vient d'un asile, elle secoue sa tête comme ça. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette de cuisine. Avant, je vais tuer toute ta famille. Bon, on start, alors. Mixer. Ok, on va mixer. Ok, d'accord, on commence par ça. Oh là là. Oh là là, la souris, bien dégueulasse. Si j'avais une souris comme ça, je pense que je serais sur Windows, Windows 95. Alors, tu vas te tourner, espèce de caca. Voilà, voilà, voilà. Ok, donne. J'ai tourné comme une merde, quoi. Ah, ça, c'est mieux que maman. Alors, j'ai tourné deux fois du beurre. Je pense même pas qu'il a fondu encore. Et c'est mieux que maman. C'est magnifique. Là, elle lève les deux bras, tu vois, c'est génial. Alors... Ah, maintenant, faut mettre ça dans le bird. Dans le... Ils appellent ça un oiseau. Ouais, c'est une volaille, en gros. Ouais. Alors, on va mettre ça dedans. Alors, bonjour. Bonjour. C'est la tête qui avait défoncé une anguille, là. Ah, putain, j'ai oublié son nom. Voilà, j'oublie toujours son nom. Non, mais j'avais encore... J'avais encore des aliments dans la main. Tu me laisses comme ça? Ok, on doit enlever la tête. Et tu l'enlèves maintenant, la tête? C'est quoi ce bordel? Moi, je l'aurais enlevé avant. Et on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on est des fifous, on coupe, allez, coupe, coupe. Coupe, coupe. Mais j'ai pas le temps de couper, ça va trop vite. Ok, tout nice, donc elle est contente, j'ai pas encore coupé la tête. Genre, elle est pas... Enfin, ouais, d'accord. Tu vas cuisiner un bout de tête avec, si tu veux. Donc, il faut la cuisiner la dinde. Ok, donc on appuie sur on et sur off, en gros. On! Oh putain, je fais de la merde. Tout nice, ouais, j'ai fait de la merde, en fait. Ok! Là, c'est fini. Non, c'est pas fini, reste une étape. Je suis calme. Ok, donc j'ai fait un total de 516. Ça a l'air génial. Une petite morale, comme à la Disney. Alors, on arrête. Bonus, on s'en fout. Vous voulez des wallpapers de Mama Kills Animals? Tout de suite, si vous voulez, vous pouvez avoir des images magnifiques. Mais je mettrai en bonus les trucs qu'on a gagnés après. Alors, next. Ok, d'accord, faut faire la sauce. Parce que quand on mange la dinde, il faut de la sauce. Alors, il faut qu'on prenne... Oh, putain, non. Ok, donc on doit prendre un bout du machin, là. Ok. Donc on doit... D'accord. Don't be a saint. Ok. Ah, parce que j'ai pas coupé assez vite. Sauter the body part. D'accord. On doit... Ok. Start, pourquoi pas. Donc on appuie sur le petit bouton. Bonjour, je chauffe des aliments. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et voilà, ça fait les aliments. Mais moi, je mange une sauce comme ça, je pète un câble, moi. Ah bah, j'ai fini. Je crois qu'elle a dit c'est super génial. Elle lève ses deux mains, c'est magnifique. Alors... Ah, oh, putain, d'enlever les... Oh, d'enlever les parties du bordel, là. Oh, non, mais regardez, il y a des trucs que j'aime pas ce que c'est, en plus. Elle garde des plumes, en mode, bonjour, je garde des plumes, ça m'aide du... Ça m'aide, je sais pas, ça... Je sais même pas ce que c'est, les plumes, ça rajoute rien à la sauce, hein. Continue. D'accord, donc là, c'est fini. Ok. Alors, j'ai envie d'y herber. C'est pas possible, j'ai fait un score de 725. D'accord, donc petite morale à la Disney encore. Donc on a encore des bonus. Donc si vous voulez une bannière de Mama Kills Animals,
la bannière, je pense, de la dinde finie. J'en sais rien. Ah ! Ah non, c'est pas possible. Merci à toi, Mama a maintenant un cœur. Donc, ok. D'accord, j'ai rien fait. Donc, j'ai débloqué un level bonus de Mama adore les animaux. Oh, parce que c'est trop kawaii. Ok, next. Donc, Mama loves. D'accord, donc là, j'ai gagné un truc. Oh, putain. Ça y est, on part dans un truc végétarien. Avec du tofu. Alors, je sais pas si vous avez déjà goûté du tofu, mais le tofu, ça a pas vraiment de goût. C'est pas pour vous dire, non, mais c'est vrai, en plus, c'est totalement vrai. Waouh, waouh, putain, elle m'a fait flipper, là, la meuf, là, en mode... Bonjour, je veux te faire un câlin. Bon, j'arrête. Continue. Alors, ok, d'accord. On doit suivre les mouvements parce que on doit faire quelque chose, on doit gonfler comme s'il y avait de la levure dedans. Mais écoutez, j'ai jamais cuisiné du tofu, mais j'ai déjà vu le goût. J'ai déjà goûté. C'est pas top. Hein. Ok, very good. Là, j'ai l'impression d'être dans un jeu complètement what the fuck. Ok, donc on va mettre de la sauce dessus. Parce que comme ça a pas de goût... Oh putain merde, je fais de la merde. Je fais de la daube. Putain, elle va me dire c'est nul. Elle va me dire c'est nul, je suis sûre. Ah non. Putain, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mis de la sauce sur moi quand même. Allez, vas-y, c'est bon. Alors, cookie, donc okay, on doit le cooker. Vas-y, on va le cooker, c'est parti. On le cook. Vas-y, on. Off. Oh là là, pile sous la ligne, là c'est le skill là, qui commence à venir. J'ai un putain de skill sur Cooking Mama quoi. Non, c'est vrai que c'est complete. Ok. Et les carottes elles viennent d'où en fait? Elles viennent d'apparaître. Donc j'ai fait un score de 523. Je pense que j'ai fait un moins bon score, je suis pas sûre. Next, une morale magnifique et une musique à la Bee Gees. Ok, donc là on a des bonus. Donc on a un wallpaper de Mama Loves Animals. C'est magnifique. Génial. Next. What? Grâce à toi, Mama aime les animaux. T'es sérieux là? C'est quoi ce bordel? Tu es une dinde innocente. Mais putain, mais c'est quoi ça? D'accord. D'accord. Voilà, voilà, nous avons fini le jeu, d'après ce que je vois. Alors, elle secoue encore plus sa tête qu'avant. Elle a une dinde qui a une gueule débile. Je crois que c'est une dinde sortie des Simpsons. Mais donc, on a fini cette vidéo. En bonus, je vais vous mettre les wallpapers. Parce que j'ai pas été regarder. Je vous mets les wallpapers. Et on verra si c'est aussi dégueulasse que ce que je pensais. On se laisse et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos découvertes de jeux aussi stupides. Je laisse me conseiller en jeu, mais moi j'en ai déjà un bon paquet qui m'attend. Alors, on se laisse et on se dit à la prochaine. Bye bye!